Local. Et tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit live du samedi, bien évidemment. Alors vous avez vu, j'ai changé un peu le concept, puisque j'aime bien tester les concepts, d'abord, voilà, hein, et ensuite j'ai le droit de les changer, parce que voilà. Donc les déballages mystères et tout, bon, ça marchait sans plus, voilà, c'était pas génial, génial, mais en fait, ce qui marchait, c'est vrai que ce qui marchait le mieux déjà sur les vidéos, c'était les lives, voilà, on fait des lives de 2-3 heures et tout. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas rester sur un mode live le samedi, mais à chaque fois sur les lives, le mercredi, le samedi et le dimanche, trouver des sujets différents. Le mercredi, on fera un sujet un peu putaclic, qui a extrêmement bien marché en plus, même sur Twitch, hein, les youtubeurs qui arnaquent les marques et tout, ça a bien plu, ça a même bien plu sur Twitch, puisque la vidéo a fait 240 vues, je crois, de mémoire. J'ai regardé ça, comment elle faisait tout à l'heure. Ah non, c'est quoi, il y avait une autre qui avait bien marché aussi. Oui, non, elle a fait 196 vues aussi. Puis il y en avait une autre qui avait bien marché, qui avait 250 vues, je crois. 250 vues, les trois chèques cadeaux, bien voir. Donc le mercredi, on pourrait faire un live comme ça sur un sujet. Le samedi, on parle des reviews que j'ai fait cette semaine et éventuellement des produits que j'ai reçus cette semaine aussi, donc qui arriveront la semaine suivante aussi. Et le dimanche, un dimanche sur deux, on ferait un GLG par live dans lequel le but ne serait que de vous faire gagner des cadeaux. le live incroyable. Voilà, sans arrière-pensée. Enfin, si, une arrière-pensée, j'ai une arrière-pensée en disant j'aimerais bien que ça marche, qu'il y ait plein de monde et que les marques soient chaudes et qu'elles vous offrent plein de cadeaux. Genre, moi, ça me coûte rien, ça vous permet d'avoir des cadeaux, vous, ça permet de gagner des cadeaux et tout le monde, il est content. Voilà. Vous remarquerez ce joli t-shirt, certains l'ont reconnu. Voilà, donc comme ça. Aujourd'hui, on parlera des reviews que j'ai fait cette semaine. Comme ça, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, c'est le moment ou jamais. Et on parlera des reviews des produits que j'ai également reçus, qui arriveront prochainement, ultérieurement. Et là, je vois qu'il y a plein de monde. Alors, je me demande si... Je me demande pas d'où je vais. Comme là, j'ai rien mis en même temps, regarde. Comme j'ai pas mis ma tête ici, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le chat, de le mettre beaucoup plus grand, comme ça, regarde, genre, en temps réel, comme ça. Voilà, ouais, c'est bien, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors j'ai refait la, ça s'appelle des scènes, je crois, des scènes chez Streamlab. J'ai refait une scène. Alors j'avais une scène qui était complètement plantée, j'avais une latence de ouf. Alors j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qui foutait un problème, et je me suis rendu compte que quand j'ouvrais une autre scène, il n'y avait pas ce problème-là. Donc j'ai tout migré les sources que j'avais mis dans la scène. J'ai ouvert une autre, j'ai refait, et ça marche très bien. Voilà. Donc ne cherchons pas là où il y a de problème, il fallait changer, j'ai refait. Voilà. Et comme ça, ne me demandez pas derrière si c'est bien rangé, que c'est mon chez moi. Vous aurez compris. Viens chez moi, bah, où on va. Bon, allez, reprenons le cours du chat. Ça me fait plaisir. Eh bien écoutez, je suis très content. La crème de la crème. The top of the toss. The best of the best. Le winner of the winner. Bon, on va se calmer un peu. Mais oui, non, ça fait plaisir, c'est bien. La cerise sur le gâteau. Le litchi plutôt, hein, le gâteau, tu vois, le litchi sur le gâteau, ça passe mieux. Toi, ça fait quand même plus asiatique. Il faut qu'on reste un peu dans la mouvance. The cherry on the cake. The cherry on the cake. La cerise. Oui, oui. Qu'est-ce que je veux foutre de cerise sur mon gâteau, d'ailleurs? Si elle est nue et qu'elle est bien gaulée, ça peut aller. Mais sinon, ça peut, pour nos amis English. Salut la famille. Bonjour la famille. Bonjour la famille, bienvenue dans ce jeune live insolent. Il y a un mec qui fait des parodies sur TikTok, je crois, il s'appelle pas JMK, il s'appelle machin comme ça. Il fait que des trucs comme ça, jeune insolent. Il arrête pas de reprendre toutes ces expressions et tout, ça m'a fait mourir de rire. Alors attends, la famille, bonjour à BZH. Salut les GLG potes, mes respects du samedi. Et ben bonjour à Backfedo aussi, Jeff, Fren, mes hommages, ma jeune dame. Bonjour à 42 GIF, et voilà, donc c'est bien. Ouais, j'ai lu tous les commentaires, bon, c'est pas mal. Bon, bah, c'est bien, il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Vous êtes déjà 9 en ligne, j'ai l'impression plus que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de commentaires, mais il faut laisser un peu, c'est samedi, 1h du matin, on sait que c'est un petit peu dur pour beaucoup. Bon, de quoi je voulais vous parler cette semaine? Cette semaine, on pourrait parler un des deux reviews qu'on a fait cette semaine. Allez, j'ai perdu, j'ai pris ma batterie. Attends, je vais la chercher. Bougez pas, hein. J'ai pris ma batterie, il faut que je la prenne un peu parce que je la fasse voir. Voilà, voilà. Elle est là. Hop, ici, trac, c'est bien. C'est bien que le micro sans fil. Je peux faire un peu comme dans le loft. Voilà, je peux partir, revenir. Et voilà, et t'as rien vu. Petit, t'as rien vu. Oui, t'as rien vu en même temps. Tu m'as pas vu partir. Tu m'as pas entendu partir. Voilà, c'était ça. Donc, cette semaine, les reviews de la semaine, c'était bien évidemment la batterie
Weigel, une batterie externe de 10 000 mAh. La particularité d'avoir eu un plug directement pour la recharger et qui a la particularité d'avoir deux prises USB 3 et une prise USB type C. Alors, c'est soit une batterie externe qui a le plug, ça veut dire quand tu veux la recharger, tu la plug directement dessus et tu recharges ta batterie externe. Soit c'est aussi un chargeur secteur, c'est-à-dire que vous mettez ça sur votre prise 220 et vous mettez vos prises dessus, ça permet de recharger vos appareils, à savoir que le chargeur ne fait que 20 watts, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Et que, bah, en même temps, bah, vous pluguez, vous pouvez recharger vos appareils et quand vous enlevez votre chargeur, il a une batterie interne qui permet de vos produits, ça j'ai bien aimé. Et une des particularités, c'est bien évidemment cette petite dragonne ici qui intègre les deux câbles USB type C qui permet, par exemple, pour moi de recharger mon téléphone quand je pars avec. Ça va très très bien. Et d'avoir une jolie dragonne, c'est un de mes produits préférés de la semaine. J'ai vraiment bien aimé celui-là. Alors après, oui, il fait que 20 watts et tout. C'est vrai que c'est pas une charge de ouf, mais c'est un pré-lancement. Ça veut dire que le produit sortira au mois de février, ça m'a bien dit. Et deux, la marque Weigel est assez enthousiaste avec ça et elle m'a proposé, enfin je lui ai proposé de vous en offrir et elle m'a proposé de vous en offrir 5. Voilà. Alors comme j'ai dit, parce qu'elle me dit, vous en faites combien? J'ai dit, on peut faire 5 d'un coup. Le truc, c'est que on commence qui va piano va sano, comme diraient les Espagnols. Donc, c'est de quoi? Je sais bien. T'as fait de me commenter. Bon, Vincenzo, voilà. Donc, elle m'a proposé de vous en offrir 5. J'ai dit, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est 5 répartis sur 5 dimanches. Encore une fois, c'est un dimanche tous les 15 jours ou alors un dimanche tous les 100 followers. Bon, pour l'instant, on a du mal. On est à 242 ce matin. C'est pas mal. Mais pour moi, c'est vraiment un produit qui est assez intéressant. Et puis, je suis assez content de vous en faire gagner 5 parce que bah, déjà, c'est eux qui vont les envoyer. Donc, comme on en parlera demain pendant live, puisque demain on se trouve en live où je fais gagner une batterie comme ça, une caméra et un bon d'achat. Donc la marque ne vous les enverra que à partir du mois de février, bien évidemment, puisque là ils en ont pas. Ils en ont quelques samples pour les meilleurs youtubeurs, leurs gros partenaires. Et voilà, bon moi quoi. Vous n'avez pas compris. Il faut que j'en fasse en faire des caisses. Voilà. Donc c'est une des premières reviews de la semaine. C'est intéressant. C'est pas que une batterie externe, c'est une batterie externe avec le plug, avec le petit câble et tout, les prises USB. Moi j'ai bien kiffé. Voilà. Et il est où? J'ai perdu ma fenêtre. Il peut aller la fenêtre. Nos amis English, ça c'est bon. Sympa la nouvelle déco dans ton petit côté girly assumé. Oui, bah écoute, on est un peu comme ça, hein. Je veux dire, je suis à la limite de me faire couper le bon, pour devenir un boy là. Hein. Non, mais j'avais envie de changer. J'avais téléchargé pendant un moment, je cherchais pour mettre l'écran, le truc comme ça. Puis je me suis dit, tiens, ça fera un joli fond d'écran. Et voilà. Et le rose, c'est pas que pour les tarlouses. Hein. Le rose, c'est ça se porte bien. Hein. Regardez Carlton dans Le Prince de Bel Air, elle avait des polos roses et tout. Il faut assumer son petit côté Barbie Girl. Merci, bonjour et merci et welcome à Julien qui vient de nous suivre à l'instant. Ben, ça fait plaisir. Un de plus, comment ça fait un plus? On était à 242, 243. Ça fait, c'est bien. ça fait bien, pas mal. Alors, j'en étais où avec les sympa la déco. Ok, Greg, il s'est caché. Non. Non, j'ai une mauvaise histoire. J'ai une histoire très très triste pour vous. S'il y en a qui savent pour quelle est la nouvelle la plus triste qu'on attendait depuis un petit moment. Est-ce que vous allez trouver? Il s'est passé quoi là? Je sais pas. J'ai vu un truc. Ching BZH, 5 bits. Oh, merci beaucoup pour les petits diamants, BZH. Alors normalement, pour les abonnés, les followers, je sais pas quoi, vous pouvez envoyer des diamants, donc ça vous fait monter les trucs. Vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous allez sur votre compte Amazon Prime dans la rubrique gaming. Là, vous ajoutez le Netflix et vous avez le droit de mettre un compte, bah, par exemple moi. Voilà. Et vous pouvez mettre vos messages aussi en avant pour qu'ils soient en gras. Ce qui deviendra certainement un jour la norme. Quand il y aura trop de monde, j'aurai pas le temps de vous lire. Et ben dans ce cas, il n'y aura que les messages en gras ou des choses comme ça. On verra comment on peut gérer. Oh bordel, t'as osé. J'ai osé quoi? J'avoue, j'ai pas pu me retenir de sortir une vanne. C'était mon péché. Je sais bien, mais c'est pour ça que beaucoup t'apprécient aussi. Il dit après, il est là, il y aura toujours une blague un peu graveleux qui va tomber. Ou pas. Moi, c'est le principe de brancher directement au mur. C'est pas mal. J'avais bien aimé ta vidéo. Oui, j'avais vraiment bien aimé le côté.
Tu pars en vacances, t'as ta batterie externe, parce qu'on est quand même un peu obligé de partir avec une batterie externe. T'as quand même tes petits câbles et t'as quand même une truc où tu plugs directement n'importe quelle prise. Non, parce qu'après, partir avec le câble USB type C vers USB type C, c'est sympa, mais il faut trouver une prise USB type C, et malheureusement, il n'y en a pas partout. Donc là, au moins, bim, badaboum, tu es bien content. Tu vas partir où en vacances? C'est pas encore défini, mon petit Sébastien. Ça sera en Thaïlande, bien évidemment, puisque de toute façon, là, c'est la merde. C'est la merde internationale. Si je vous dis que c'est la merde internationale, vous pouvez pas me dire oui, mais non, c'est la merde internationale. C'est la merde mondiale, planétaire même. Donc, je sais pas, j'irai bien au pont de la rivière Kouai. Oui, parce que c'est pas loin de chez nous. J'ai découvert ça la dernière fois. On m'a dit, bien, mais je suis allé au pont de la rivière Kouai. Mais c'est où? Il dit, mais c'est en Thaïlande. Il y a un pont là-bas. Là, on monte à Bangkok, à gauche là-bas, et il y a Kouai, il y a des montagnes, il y a le pont de la rivière Kouai et tout. Donc, j'irais peut-être, c'est à Rutaya, au nord de Bangkok, et après, aller au pont de la rivière Kouai. Rien que pour le nom, rien que pour le nom, ça fait rêver. Tu vois, le pont de la rivière Kouai. Trop bien. Donc ça doit être un pont qui doit faire une frontière entre la Thaïlande et certainement qu'est-ce qu'on a après à côté? La mer, le Laos, le Vietnam, je sais pas. Très peu de culture, donc de toute façon, je découvrirai ça. Je vous ferai une vidéo et je vous dirai ce que j'ai découvert, pas quoi. Un camp de rééducation en Chine. Je vais partir en camp de rééducation. Pour me faire rééduquer. Pour fabriquer des ballons. Pour apprendre. Non, mais en fait, je pars dans un camp de concentration en Chine pour apprendre à fabriquer des baskets. J'ai toujours rêvé de savoir comment fabriquer des Nike et je me suis dit j'irais bien faire un stage là-bas dans une usine et tout pour apprendre à fabriquer des Nike. Comme ça, je reviens en Thaïlande, bim badaboum, et je monte ma propre boîte. Quand même, il y a quand même un rebondissement incroyable. Première fois d'un spectateur, Julien, et première fois d'un follower, abonné, magnifique. Encore une fois, merci à BZH pour les diamants. Le K1 a rendu l'âme à gauche. Oui, c'est ça. Le chat est mort ce matin. C'est au Zimbabwe, dans la jungle, terrible jungle, le chat est mort ce soir. Voilà, le chat est mort ce matin. Petite larme quand même, petite larme. Ben oui, parce que je m'étais habitué à ce casse-couille là, de lui donner à manger, de m'occuper de lui. Bon, c'est vrai qu'il dormait beaucoup depuis un moment, il en faisait pas grand-chose, et quand on l'a amené au dernier médecin, il a regardé. Déjà, il était étonné qu'il soit encore en vie, le chat. Il a redonné des antibiotiques, mais bon, voilà, tu sais, c'était vraiment parce qu'on lui a ramené et que, bon, il était maigre. Il avait un beau regard, comme il avait quand même repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Mais ce matin, il était tout raide. Hein. Rigidité cadavérique, comme diraient nos amis les experts. Rigidité cadavérique, et le chat était mort ce soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai récupéré un chat qui est arrivé devant chez moi, inflammation de la trachée et tout. Il a failli crever, alors je l'ai emmené au vétérinaire, injection, machin, enfin on a tout fait. Après on a fait les scanners pour se rendre compte qu'il avait une... Qu'est-ce qu'il avait ce pauvre chat? Il avait une péritonite, c'est-à-dire que les poumons pleins d'eau et tout, parce que voilà, ça faisait beaucoup trop longtemps. Et une petite leucémie. Là, vous dites, mais voilà, bon, il a fini ses jours, il était là tranquille. Je lui ai acheté du Sheba tous les jours, parce que Sheba, pour dire je t'aime, je veux dire, on dirait que les pubs ça marche pas, hein. Mais je veux dire, moi mon chat... Bon bah c'était pas mon chat déjà, mais bon le chat je l'aimais bien, et pour lui dire que je l'aimais j'ai acheté du Sheba. Comme quoi les pubs ça marche un peu hein. Voilà, donc j'ai acheté du Sheba tous les jours. Il mangeait pas trop mal, mais c'était qu'il mangeait, il dormait quand il était crevé, il bougeait pas, il allait pas loin, il faisait un peu le tour, mais ça c'était vraiment limite. Et ce matin tout raide le chat quoi. Donc voilà, bon bah c'est un peu l'histoire un peu triste. Alors je voulais mettre sur Instagram, puis après je me suis dit on n'est pas là pour faire du sensationnel, hein. Bon, voilà, le pauvre chat, bon, il est mort ce soir, il est mort. Morte la bête, mort le venin. Mais qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Alors on l'a emmené au temple ce matin. Voilà. Donc on a trouvé, enfin Jean a trouvé un temple, parce que moi, il n'a rien trouvé du tout. Moi. J'ai dit comment on en fait quoi du chat? On appelle le veto, le chat et le veto, il dit je sais pas comment faire de votre chat. Moi. J'ai dit, vous faites quoi des chats morts? Il dit bah soit vous l'emmenez dans la forêt, vous l'enterrez, machin et tout. Ça me paraissait un peu dégueulasse. Donc Jean m'a trouvé un temple. On l'a emmené dans un temple. Merci à... Qui c'est qui? Soul... Attends, là j'ai des bits. J'ai pas. C'est pas affiché. Ok, bah écoutez, je vous laisse faire. Ah, il y a de l'abonnement. Il y a de l'abonnement, du follower, du personnage. Voilà. Donc on a trouvé un temple. Voilà, en Thaïlande, où tu peux emmener les chats pour la crémation. Donc là, c'est le chat... Donc ils mettent le chat dans un espèce de...
de tissu du Nil, tu vois. Après, ils te demandent de mettre des fleurs un peu, voyez, jaunes, comme ça. Il y a un petit panier avec des fleurs, donc ils te demandent de mettre des fleurs dessus. Ensuite, il y a deux fleurs en papier qu'ils demandent de mettre dessus. Et après, voilà, donc après, lui, ben, il le ferme un peu comme un petit saucisson chaud, hein, d'accord. Et après... Bah au four, évidemment, sans mauvaise blague, au four, et on va le récupérer ce soir. Il a dit, bah, ce soir, vous venez, vous le récupérez, et ils le mettent dans un petit petite fiole comme ça, et après, il dit, si vous voulez jeter ses cendres à la mer, oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, comme ça, on pourra jeter les cendres à la mer pour le chat et tout, donc voilà. Donc voilà, j'ai acheté un stock de Sheba, là, à fond, les ballons, il m'en reste plein. J'ai acheté hier, j'allais hier acheter des tonnes de Sheba, tu sais, j'ai acheté tous les petits, tous les goûts et tout, je me suis dit, voilà. Et voilà, donc je me retrouve avec tout le Sheba sur les bras, et voilà, voilà, le chat est mort ce matin. Bon, il était condamné, hein, de toute façon, avec les deux machins, pas au père Abrien, il nous l'avait dit qu'il pensait même pas qu'il allait durer aussi longtemps, mais voilà, même lui pensait même avant le 13, mais voilà, là il a fait son dernier soupir. Il aura eu, même si c'était pas mon chat, il aura eu une belle fin de vie, et voilà, il était tranquille, on lui demandait rien, il avait rien à faire, il était nourri, tranquille, et puis voilà quoi, voilà, une vie de pas chat. Non, une vie de chat. Maintenant, si on dit pas chat, ça marche pas, de pas de chat, non, une vie de chat, voilà. Donc très bien. Donc voilà, donc merci à BZH pour les diamants chats, merci beaucoup, à votre service pour les blagues de merde, c'est ma spécialité. Merci à Julien pour les diamants, c'est ça que j'avais loupé. Donc voilà, le chat est mort ce matin, donc petit coup de malgré tout, tu vois, même si c'était pas mon chat et qu'on veut faire les solides. Bon, ça m'a quand même fait un petit peu quelque chose. Pour petit chat, là, il est parti ce matin. Merci à Shadow pour les bits qui viennent d'arriver. Donc, il y a BZH et Shadow pour les bits. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, mine de rien, je m'étais quand même habitué à chat me lever, le donner à manger, matin, midi, soir. Le soir, le donner des antibiotiques et tout, toi. Petite mamie, tu vois. Et voilà. Donc, là, le fait que ce matin, voilà, bon, c'est malheureusement une mauvaise chose, mais c'est quand même une bonne chose parce que je suis allergique au chat depuis un petit moment déjà. Et que ben, j'avais arrêté les cachets et que j'avais mal au crâne tout le temps, même si le chat était dehors et tout. Donc, là, voilà, ce matin, tout nettoyer, la maison, la terrasse et tout. Voilà. Là, je me dis, ça va aller mieux dans 2-3 jours, j'aurai plus mal au crâne et tout. Soit je me bourrais de cachets, soit je prenais autre chose. C'était pas génial. Enfin bon, après, voilà. Le chat est venu à moi, je m'en suis occupé. J'ai fait le boulot, hein. Quand même, hein. J'ai plus le boulot, hein. Après voilà, question d'argent, de machin, tant pis, après voilà, maintenant c'est fait, il est parti, 2000 hein, quand même, enfin 2000 bahts pour l'incinération quand même, alors ça fait 55 euros à peu près, alors on va me dire c'est pas beaucoup, mais enfin oui, c'est pas beaucoup, mais enfin bon, voilà quoi, 55 balles ce matin, petit virement, ouais, j'ai bien sûr 2000, j'ai 2000, j'aurais bouffé le week-end quoi, j'aurais pu me faire un bon petit repas ce soir et tout, voilà, bon, après voilà, encore une fois, j'ai fait mes points de karma, mes petits diamants de karma sont faits. Et voilà, c'est une histoire avec le chat. Alors, comme je vous dis, je voulais mettre sur Instagram, puis après je dis, ouais, le chat est mort et tout machin. Je dis, après, c'est pas, on en parlera comme ça à ceux que ça intéresse. Et puis après, voilà, encore une fois, bon, il est arrivé en mauvais état, on a pris ce qu'on a pu, et puis voilà. Voilà, donc le chat est mort. C'est triste quand même un peu, hein, cette histoire. Comme ça, viens pour mourir chez moi, là. On voit que le deuxième, il est venu, il est mort. Le matin était presque sec, on l'a emmené au veto, il est mort chez le veto. Alors moi, comme ça, mais je sais pas ce qui doit se passer chez moi, ça doit sentir bon le karma. Karma, pas le karma sutra, bien évidemment. Malheureusement, ça sent pas le karma sutra à mon grand désarroi. Ça sent pas trop, mais ça sent bien le karma. Voilà. Donc les chats sont contents, tout va bien. Bon, j'en étais où? J'en étais où au niveau de comptes? Là, voilà. Donc bon, on revient, première batterie, c'est fait, on en a parlé, comme ça, il reste 10 minutes, voilà, comme ça je lis un peu les commentaires, et on parlera du deuxième produit. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? Merci à BZH pour les 5 bits qui viennent de tomber, merci beaucoup. Namasté. Ça donne quoi mon visa? Alors, concernant mon visa, vu de toute façon, c'est la merde internationale, que je peux aller ni en Chine, ni à Taïwan, parce qu'ils vont se faire attaquer, ni rentrer en France, parce qu'il faut un vaccin tous les 15 jours, et que bon, j'en ai déjà fait deux, voire encore un, et tant, et je suis pas sûr de pouvoir revenir, et que bon, il y a une partie de ma vie qui est ici. J'ai décidé de rester, encore une fois, donc j'ai reprolongé le visa que j'avais déjà pendant 5 ans, je l'ai reprolongé pendant 15 ans. Oui, bah oui, parce qu'il y avait, une promo. Voilà. Donc j'ai demandé à ma mère de me prêter l'argent puisque j'avais pas assez pour financer ça. Elle a le droit à un petit 7 élèves, machin, tu sais, en France, t'appelles, t'as les sous, quoi. Toi. Donc ça, et puis je la rembourse tous les mois, comme si je peux plus, bah, on soldera le crédit un peu plus vite. Donc j'ai renouvelé pour. Alors en fait, normalement, à la base, quand je l'ai pris, moi, il n'y avait que des visas élites de 5 ans, il n'y avait pas de 20 ans. À l'époque où j'en avais pas entendu parler. Voilà.
Et ou alors il était vachement cher, je crois qu'il faisait 2 millions de bahts, comme ça, c'était hors de prix, quoi. Et en fait, c'est pour ceux qui ont déjà pris un visa élite de 5 ans, et que donc 5 ans, 500 000, si vous voulez reprendre un visa, si vous voulez reprendre le 1 an, enfin le 20 ans, si vous voulez reprendre le 20 ans, qui valait 1 million avant, et ben ils te demandent juste de mettre la différence. Donc si tu as déjà payé 500 000 pour 5 ans, tu remets 500 000 et tu as 15 ans en plus. Voilà. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors il n'y a pas les services limousines de Bangkok, machin et tout, mais bon, voilà, vu le... Déjà, voilà, limousine, laisse tomber. Puis après, bon, j'ai pris... Voilà. C'est le moins cher de Elite, mais ça permet, bah, pour 500 000 bahts de plus, de repartir pour 15 ans. Ça veut dire qu'en fait, c'est 15 ans plus les 5 ans que j'avais, ça fait 20 ans. Voilà. Donc, je suis reparti pour 15 ans. Donc, j'ai un visa de 15 ans. J'ai 15 ans... Pardon, c'est pas 15 ans, c'est 5 fois... 3 fois 5 ans. 3 fois 5 ans de visa qui te renouvelle tous les 5 ans et tout. Mais voilà, donc là, je suis reparti pour 15 ans, ce qui laissera complètement le temps... à déjà d'être pas stressé comme ça, de cette angoisse de faut partir, pas partir, machin et tout. Et puis, bah voilà, en attendant que le Covid passe, Omicron, Delta Micron, dans ton cron, voilà, ce que tu veux, de laisser passer le temps, comme ça, encore, s'il faut attendre encore un an ou deux, bah continuer comme ça. Et puis, voilà, après, si ça va mieux, bah commencer à dire, voilà, retourner en Chine, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'opportunités qui reviennent un peu en disant, ouais, ça serait bien, mais vous pouvez pas venir. Notamment une marque audio de fidélité qui font des enceintes en cône, là. Ils ont un projet Indiegogo, les Chinois, là, oh, ça me chauffe, ça. On avait les vélos et tout, il y a pas mal de marques comme ça, où il était assez chaud, et il faudra attendre, voilà, il faudra attendre que la situation aille mieux, mais voilà, là, avec 15 ans de visa, je veux dire, si ça prend encore un an, ce qui est sûr, ou deux, voire trois, le temps que la situation revienne un peu à la normale, que je puisse retourner en Chine, Taïwan, on sait pas, mais bon, pour l'instant, je mise plus sur la Chine, c'est plus facile, mais voilà, donc, voilà, je suis encore là pendant 15 ans. Pour vous donner, voilà, ce qui pour moi est un côté un peu serein en disant, voilà, putain, là, 15 ans de visa, pas besoin de m'emmerder tous les ans, machin, dépôt, pas dépôt, voilà, tu perds, mais non, faut payer tous les mois, mais c'est pas excessivement cher, hein, quand tu prends 500 000 bahts, tu divises par 15 ans, du coup, ça fait un coût qui est minime, minime, quoi, tu sais, vous le ferez, et puis, mais voilà, mais c'est un coût qui est très, très raisonnable pour 15 ans. Mais encore une fois, vous pouvez prendre 20 ans, hein. Il y a 1 million de bahts de 20 ans, vous prenez, vous pouvez, il y en a beaucoup qui le prennent maintenant parce que c'est vraiment le côté, pendant 20 ans, je suis peinard, à part si ça change et que ça devient la Birmanie, mais bon, pour l'instant, c'est pas le dossier. Ribgiku, oui, t'as déjà le jeu, le GLG pour les chaussures, reste plus que la marque GLG Sportwear, mais c'est ça, on a déjà les t-shirts, on avait déjà fait Giwik, il est toujours opérationnel, hein. Giwik les chaussures, voilà, hein. Avec les deux E, avec le W au milieu, bim badaboum, je fais mon stage en Chine, j'apprends à fabriquer les baskets, je reviens, je sais faire, voilà. Encore une fois, merci à BZH, première fois pour... J'ai cru que ça a été poudre d'escampette, mais non, c'est encore plus vieux que ça. C'est de poudre perlimpinpin. Safar, bah écoute, ça gaze, mon pote, tranquille. Merde. Bonjour à Brooklyn. Shadow, hello. Mika, bonjour. Putain, vous êtes combien là? Il y a 15, ouais, pas beaucoup, mais pas mal. Pauvre Tioga, rest in peace. Bah oui, bah après, bah pour le chat, encore une fois. Alors, le but, c'était vraiment, c'est qu'est-ce que je fais du chat, quoi. C'est un petit. Il était pas tout sec, mais tout rigide, mais pas loin, tu vois. Je dis, bon, quand même, il y a des temples ici, ils ont ce qu'il faut pour les incinérer. Les incinérer, j'allais dire les brûler, mais les incinérer. Et tout, ça fait le côté un peu, voilà. On est bien, on est dans les clous là, karma 3 points et 1h30 au four avec du riz blanc, avec des fleurs, ça doit être pour l'odeur, voilà. C'est le Fred Lou, j'ai vu ça, ah d'accord, Michael, on se dit bonjour et des petites patates. Vous êtes dégueulasse. Un peu de sheba avec le riz et les pâtes. Remarque, ouais, hein. Je suis sûr que je fais un repas à la maison. J'invite mes potes Jean. Je lui dis, écoutez, vous venez, je vous fais un petit repas. Et je leur mets un petit peu, parce que c'est du sheba au thon, ton machin un peu crème, là. Et je leur fais des pâtes, je mets sheba dedans. Tout le monde dit, c'est bon, quelle est donc ta recette? Je dis, la bonne blague, c'est si on me dit, dis donc, c'est quoi ta recette? Oh, bah écoute, sheba. Je sais pas. Voilà, tu fais une blague, tu vois, tac, comme ça. Digne. Oui, j'étais à l'école, même école que Fred. Rip le chat, je t'ai envoyé un message sur Line. Eh bien, écoute, merci Shadow, je regarderai ça tout à l'heure. Michael, l'argent que tu peux en filmer, ça pique, je crois. Ben, oui, après, je suis pas...
C'est-à-dire que je suis pas pingre et tout, mais je fais attention, tu vois. Et là, c'est vrai que le chat, bon, on a tout fait pour le sauver. Après, c'est jusqu'au bout, tu vois. Ça. Et puis le deuxième, alors le deuxième, lui, c'était le veto m'a demandé bim et il est mort la nuit. Donc là, c'était une donation. Il m'a dit, vous me faites une donation. Il était malin, hein. Vous faites une donation. Bah, ouais, donc du coup, tu peux pas. Le lendemain, tu peux pas retourner. Alors, il est mort, on récupère la donation, on voulait pas sauver. Donc bon, après, là, ouais, j'aurais préféré m'acheter autre chose, en effet. J'aurais préféré profiter un peu de la vie, mais bon, après. J'ai sauvé une vie aussi. Enfin, je l'ai sauvé et il est parti quand même. Voilà. C'est bizarre la vie quand même. Pourquoi il est venu comme ça, là, à mourir chez moi? La fin de Vincenzo est folle. J'aime bien la machine russe. La fin de Vincenzo est folle. Hein. La fin de Vincenzo est folle. Parce que les deux, comme il les aime pas, l'autre avec la lunette et le boss et tout, il a dit, je suis le chat. Alors qu'il est le chat aussi, hein. Parce qu'il dit, je jouais avec les souris et tout comme ça, là. Tu vois? Eh ben... Et c'est un chat aussi. Non, le Vincenzo, la fin est pas mal. Hein. Comme je dis, dernière fois dans le Jeté du Geek, les 10 premiers, on est un peu, ouais, le complexe, nanana, tu pars pas, nanana. Puis après, du 10 au 15, et après du 15 au 20, ça part complètement en couille, il n'y a plus de limite. Tout le monde peut y passer. Voilà. Merci encore une fois à BZH pour le petit pleur. Bah ouais, après, c'est pour les manimales. Voilà. Un petit bout de jardin à côté de construire un cimetière à chat. D'accord, ok, bah écoute, bonne idée aussi. Bon, on va faire la deuxième. C'était quoi la deuxième review de cette semaine? La deuxième review, c'était le Oukitel. Non, le Ulefone Armor X10. Alors, j'ai Ulefone Armor X10, j'attends le Doogie V20. On parlera, j'ai reçu la tablette là. Il y avait une meuf qui m'a contacté pour un mini PC avec un i5 ou i7 dedans, mais un vrai, tu vois. i5 ou i7, et elle m'a confirmé là, elle me dit, ah, ça y est, c'est parti, trop bien. Et l'autre avec les micros là, Synco aussi tout à l'heure, elle m'a écrit, ça y est, c'est parti, truc. Elle s'affole là, on est le 15 janvier, tout le monde part en vacances le 29. c'est le feu, tout le monde est truc. Bon. Donc c'était le Ulefone Armor X10. Un bon petit téléphone hein, malgré tout, hein. Pas excessivement cher, les photos étaient pas si dégueulasses que ça, pas mal les photos à l'arrière, bon à l'avant c'était un peu dégueulasse, pas de stabilisation, mais un petit téléphone qui fait 120 balles, qui est quand même étanche, caméra Samsung, un Helio A22, Android 11, 4 plus 64 plus de la micro SD, bah c'était pas si tout mauvais que ça, en fait le téléphone était quand même plutôt intéressant, après bon voilà, je sais que vous n'êtes pas jeté dessus en disant ah c'est le téléphone de mes rêves, mais bon après encore une fois le téléphone de mes rêves, de vos rêves n'existe pas, n'existe plus, voilà, comme le jardin. Non mais voilà, qu'est-ce que je veux dire, mais voilà, c'était la deuxième review de la semaine, encore une fois le but c'est de parler des reviews de la semaine, si vous avez des questions sur les produits de la semaine, bah, vous pouvez les poser maintenant, si vous n'en avez pas, bah, on continue. Cool pour mon visa. Bah après c'est comme tout. L'intérêt, je pense, même par rapport à la Chine, c'est qu'en Thaïlande. Alors le problème, c'est qu'en Thaïlande, les business visas sont très compliqués. Les business visas et les working visas sont très très compliqués à avoir, c'est la merde. Alors qu'en Chine, c'est beaucoup plus facile d'avoir un business visa ou un. Pas un working visa, mais au moins un business visa, quoi. Ça permet de travailler. Par contre, en Thaïlande, il y a quand même la possibilité d'avoir un plan B, d'acheter un visa élite ou bon, t'as un visa pseudo-résident. Tu peux, en théorie, ce visa est fait surtout pour ceux qui veulent naviguer facilement, venir facilement et repartir et tout. Ce qui était un peu mon cas. C'est-à-dire, on va naviguer entre la Chine et ici, faire un peu moitié-moitié. Bon, après, avec le Covid, on a compris que là, ça devient compliqué, donc ça devient un plan... Un peu un plan de repli et voilà, on va attendre que ça passe et puis après, encore une fois, voilà, si à partir du moment où ça va aller mieux, je vous cache pas que là en Chine, je vais y aller pas souvent, mais il y a une partie de ma vie qui va se refaire en Chine puisque il y a énormément de choses à faire encore. Hein. Plus je prends de la visibilité, de notoriété, de la longévité et de l'âge, bon, plus on se rend compte qu'il y a des marques qui aimeraient bien que tu sois là-bas de temps en temps pour faire des trucs quoi, trucs propres, par exemple. En parlant de Covid, je suis positif, malgré la troisième dose. Bah oui, non, mais ça n'empêche pas, hein. Ils l'ont bien dit, hein. Tu peux le choper et tu peux le redonner. Par contre, il n'y aura pas de forme grave. C'est la bonne nouvelle. C'est comme tout le monde en a parlé, je crois, dans le live. On m'a dit, ah, mais pourquoi t'es vacciné? Bah, comme tout le monde, hein. Moi je suis égoïste, on m'a dit, ah, mais au moins, tu te fais vacciner, il n'y aura pas de forme grave. J'ai dit, oh, bah, au moins, c'est déjà ça de gagner, quoi. Voilà, donc je l'ai fait. Après, de la refaire une troisième dose, je sais pas, hein, parce que tout le monde dit Omicron, c'est pas si grave que ça. Donc, de là, me faire réinjecter encore un petit bout pour la troisième fois. Je suis pas très très chaud. Il se passe quoi derrière là? Ah mais il est derrière le zombie. Attends. C'est pour ça que je le vois pas. Putain, ne m'a rien dit. Je suis en train de le voir derrière. Ok, je l'ai remis devant. BZH. Alors, nouveau follower. Ça c'est bien. À Bogos.
Bogos 075. Je sais pas si c'est Bogos, mais c'est BG. Merci à BG pour m'avoir suivi et merci à BZH pour les diamants. Voilà, j'ai remis le zombie à l'avant. Ça devrait bien fonctionner maintenant. Parce que je l'ai mis, il était un peu en arrière. Le bocal, nouveau tips. Alors, nouveau tips, il n'y en a pas. Screenshot, dernier tips. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est bien alerte box, il fallait que je remette devant. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le mettre plus haut pour qu'on voie bien, là? Pas besoin de me voir. Vous voyez trop bien, là. Merci beaucoup à Shadow pour les tips, les diamants, les diams. Jeune demoiselle, recherche un mec mortel. Voilà! Yeah! Ça fonctionne bien. C'est beau, voilà, des beaux diamants. Les diamants sont éternels. Ok, donc voilà, en parlant de Covid, ok. 1000 euros l'année, un peu moins, si je calcule de tête, vu que j'ai un beau de conversion. Non, bah beaucoup moins que ça. Non, non, beaucoup moins que ça. Non, non, beaucoup moins que ça. Attends. Si déjà tu fais, regarde, on va le faire déjà à l'arrache. Outils de... Outils. 500 000 bahts. 500 000. Il n'y a pas. Et je peux pas rentrer. Mais ça rentre pas dans cette calculatrice de merde là. Pourquoi 500 000. Attends, je vais le faire là. 500 000 bahts. 500 000. 500 000. Divisé par 15 ans. Ça fait 3000, 33 333. Ah oui, on marque. Oui, peut-être. Oui, 33 300. 33 000 divisé par 1. Et 33 33 333 divisé par 12. Ça fait du 2700 bahts par mois. 2777 bahts en euros. Ça fait du 73 euros par mois. Donc par... ah oui, Marc, oui, non, t'as raison, oui. 73 x 12. 876. Oui, ça fait à peu près 1000 balles, hein, d'accord. Merci à Mick, Mick Nux, de me follower aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, ça fait du 1000 balles. Ça fait du 1000 balles par mois, donc t'avais dit combien? 1000. Casse-couille. Ah oui, 1000 années. 900, 876 avec le taux de change du jour. C'est pas... Donc pour la sécurité et pour l'angoisse, c'est pas mal. C'est pas si cher que ça. Mais 100 balles par mois, je veux dire 73 balles, 100 balles par mois, et tu dis je suis tranquille, moi je sais que je les ai mis. Et ça, mon crédit, il est un peu plus haut que ça. Hein, parce qu'il faut que je rembourse un peu plus à ma mère pour aller plus vite. On va pas faire un crédit sur 15 ans. Hein. Avec les taux d'intérêt des crédits rapides, là, ce sera pas une bonne affaire. L'un n'empêche pas l'autre, cela te protège contre les formes graves. Tu ressens quoi? Fatigue? Ou peut-être rien, hein. Oui, mais Kurumi, quand je l'ai connu, il était en surpoids. Hein, donc, il fait partie de la catégorie hein, entre les vieux, les malades et les gens en surpoids. Attention, hein, faut que tout ça claire un peu. Hein. Après, tout le monde dit, oh là, avec des victimes. Merci beaucoup, BZH, pour les diamants. Ils sont éternels. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Est-ce qu'on mettrait pas une petite page de pub, tiens, pendant que... Par exemple. Wow! Manuel Ferrari is not hosting. Si, si, c'est passé là. Manuel Ferrara TV vous a hébergé avec 833 spectateurs. Incroyable. Oi, 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 oi. Bonjour à Pierre. D'accord. Ah, il s'est passé un truc là. On s'est fait. On s'est fait. Comment ça s'appelle Koum. Comment ça s'appelle. Il a. Merde, il y avait un truc comme ça. C'était quoi? Lancer un raid. Ça doit être ça, ça doit être un raid. Bah, merci beaucoup. 833, il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Hein. c'est fou, hein. On va y arriver, nous aussi, voilà. Merci beaucoup à ce... Ça doit être ça. Ça doit être... alors, attends, je reviens sur les commentaires. N'empêche pas l'un l'autre. Non, non. Et bonjour à tous. Bon, alors, les boules... Ah attends, j'ai loupé le truc. N'empêche pas l'autre. Ok, c'est ça. Bonjour à Zappy. Bonjour à les boules lumineuses. J'ai encore oublié ton prénom, je suis désolé. Ok, à toi, saluté, ok. Attends, je suis en train de lire les deux chats en même temps, j'y arrive pas. Fatigue, mal de tête, trop chaud. Bah, c'est bien là en ce moment, comme il fait un peu froid là dans le chenor là-bas, en haut à droite. On est bien là, il fait un peu de chaleur et tout. Mais ouais, je comprends que t'as réussi à le choper. Après, voilà, alors, si tu te dis, il y a tellement de personnes qui ont eu des formes graves et qui ont mal vécu le dossier que on se dit que ça peut être intéressant. Il s'est passé quoi là avec Sweezy là? Il y a eu beaucoup de. Alors, attends. Oh là, il s'est passé beaucoup de trucs là. Attends, il y a beaucoup de. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, attends.
Proverbe chinois, si le chien aboie toujours, c'est qu'il n'est pas encore assez cuit. C'est pareil pour le chat. Ben non, un chat, ça aboie pas. Ça miaule. Non, il miaulait pas. Comme le mien, il était quand même un peu à l'agonie, il miaulait pas de ouf hein, sur la fin. Un peu comme la grippe. Oui, c'est ça, ouais, bah une bonne grippe. Après, c'est ce que j'avais un peu compris. C'est-à-dire, tu te fais vacciner, si tu le chopes, t'as chera comme une bonne grippe, quoi. Enfin, une bonne grippe, une mauvaise grippe. Bonjour et merci à Lodoussi de me follow. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh, le raid est en train de porter ses fruits. Merci beaucoup. J'arriverai à ton commentaire. Voilà. Attends, parce que j'ai même pas fait les produits du... Ouais, bonjour à Ismaël 800 pour le follow. Merci beaucoup. Oh là là, oh, 42. Putain, bah, on va exploser le record. Est-ce que vous venez tous pour les cadeaux? C'est demain les cadeaux. Mais vous faites bien venir. Bonjour à Chouquette. Oh, ils sont bizarres vos pseudos là, tous là. Ça sent les robots pseudos. Mais on verra demain et tout. Je vous rappelle les cadeaux demain à 16h. Bonjour, merci à JB452. Namasté. Première fois de beau gosse. J'ai un Midigi A7 Pro. Je suis très très satisfait. C'est grâce à ton YouTube. Merci à. Yeah. Pas mal. Elle est bien. Plus de traversière, j'aime beaucoup. Attends. C'est grâce à ton YouTube, je n'ai déjà. Bonjour à Mike. Lingus. Ok, merci beaucoup. 42, putain, 42 en ligne. Ouais, c'est beaucoup quand même déjà. C'est grâce à. Merci, téléphone, à le même genre. J'ai gradé plus récent. Bonjour à Spike. Merci à Spike de me follower, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il est en train de se passer un truc. Est-ce que c'est le début du succès? Est-ce que demain il va y avoir du cadeau? Ouais, je le sens que demain il y aura du cadeau. Bonjour à. Merci à Narvalux de follow, bien évidemment. Alors, est-ce que de plus récent, Humidigi A7, il n'y aura pas de mal à faire mieux qu'un Humidigi A7? Alors après, je suis pas. Comme t'as vu sur les smartphones chinois, je suis pas trop branché. Bonjour à Isluzi. Je suis pas trop branché sur les smartphones chinois en ce moment. Mieux que le A7, je sais pas. Attends un peu, il y a un nouveau Doogie qui arrive et tout. Ça dépend aussi de ton budget, ça dépend de combien t'as, si t'as pas beaucoup d'argent. Bonjour à Kaizo. Namasté. Wizbot, alors, beau gosse, j'ai un Midigi A7 et j'en suis très content. Alors là, ça sent le copier-coller. Alors, merci au diamant de BZH Shadow. Bonjour à Flizox, le retour. Tu vois ma question? C'est bon. Moi je l'ai vu. Pour éviter le Covid, je passe tous mes plats au micro-ondes. Ah, micro-ondes, allez bien. Le D6. Bonjour à le D6. Bienvenue et merci de me follower. 42. Non, c'est à 28. Ouais, alors on était à 28. Ouais, ça doit être ça. Ils sont là. Patience, il lit pas. Il lit. En plus, vous voyez bien le chat, il descend. Bon, je vois pas ma question sur l'écran sur stream. Eh ben écoute, elle était bien là, elle est lue, tout ça à 9. Faudrait me dire quel budget t'as, par exemple, déjà. T'as 100 balles, 200 balles, 300 balles. Puis après, on essaiera de voir. Un jour, je penserai à toi. Un jour, pas tout de suite. Pour l'instant, je penche au chat. Voilà. Je suis en plein deuil. D'ailleurs, j'aurais dû me mettre en noir. C'est normal, rassure-toi. Ok. Il faut que je remonte dans la liste des coms. Ok. Première fois, bonjour. Bonjour à Micnus. Micnux. J'ai connu un Minux. J'ai connu un Minux. C'est pas le même. C'est pas le dessous le même. Bonjour Fred. Alors Fred qui dit bonjour. J'ai dit bonjour, attends. Le homme, ok. Je suis sur YouTube, je savais pas que tu avais un Twitch. Mais écoute, c'est pas défaut de le dire dans chaque vidéo YouTube sur le JT Geek et tout, mais on sent que voilà, on sent que les gens ont du mal. Pas mal ont du mal à s'inscrire, ont du mal à me follow et tout. C'est pour ça que tous les dimanches, on fait des cadeaux. Parce que déjà, j'ai trouvé le concept incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, vous êtes 142 en ligne. Ah oui, d'accord, et ça pique un peu là. Ah oui, mais du coup, vous avez niqué mon truc là, il rentre plus. Attends, faut que je le bouge un peu. Voilà, regarde. Voilà. On n'avait pas prévu de faire plus de 99 en ligne. Ouh, voilà. Donc, pour vous rappeler comme ça, pour ceux les 142 qui sont là, demain, on fait gagner des cadeaux. Demain à 16h, je fais gagner 3 cadeaux. Dont une batterie, une caméra IP, Wi-Fi, 2,5K de la marque Imux. Non, Imu. Une batterie externe qui intègre un chargeur. Et un câble USB et tout. Elle est trop bien cette batterie. Voilà. Elle sort par contre que au mois de février. Donc la marque vous a dit qu'elle vous l'enverra qu'à partir du mois de février. J'en ai 5 à vous faire gagner. Donc au moins pendant 5 dimanches. Et il y aura
un bon cadeau Amazon de 10 euros. Voilà, c'est trois petits cadeaux demain à 16h. Notez-le dans votre petit calendrier, vous venez entre 16 et 17. Il y aura un chat. Shadow sera là pour vous filtrer un peu. Et on fera un truc, il faudra noter un point d'exclamation avec le mot de passe du jour que je vais réfléchir ce soir. Ça s'appellera peut-être, ça sera peut-être Geekou demain. Voilà, en hommage à mon chat qui est mort ce matin. Ça sera peut-être hommage à Geekou, ça, le mot de passe sera Geekou. Vous mettrez point d'exclamation Geekou, en majuscule. Bim, vous allez voir, ça va fonctionner à la fin, le dieu random en choisit un. Bim, et on fera gagner trois cadeaux demain. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Et je sens que c'est un peu grâce à ça que on risque... voilà. Donc pour ça, il faut me follower, bien évidemment. Donc vous cliquez, follower, et bim, badaboum, c'est la fête. Louette. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Attends, il faut que je change de... On voulait parler des... Je voulais parler des reviews que j'ai fait, des produits que j'ai reçus cette semaine, là. Je suis trop dans le chat. Je suis trop dans le chat. Pas trop, quand même. Alors, j'avais pas que tu étais sur Twitch. Ok, donc ça, c'est bon. Ok. Oui, 900 euros pour être tranquille, c'est raisonnable. Bah, c'est ça. Au bout d'un moment, il faut aussi... Merci à 1090. Oui, parce que je vois que vous êtes 142 en ligne et je suis sûr que vous n'êtes pas tous encore abonnés. Donc, vous vous abonnez. Non, vous me followez. Vous vous abonnez pas. Ah, si vous vous abonnez, faites-le. Vous followez. Vous cliquez follower. Demain, entre 16h et 17h, vous venez. Vous êtes inscrit sur Twitch, vous me followez, c'est gratos. Vous copiez point d'exclamation Geekou au moment où je vous le dis et vous participez au tirage au sort avec notre duo random. Trop bien. Trop bien. Moi je dis trop bien. Trop bien, trop facile. Et plus on aura de followers, plus je pourrai négocier auprès des marques des cadeaux sympathiques. Non, d'ailleurs, je vous en parlais la dernière fois. Des abrutis de chez Nibot. Nibot, vous rappelez ce robot aspirateur Nibot avec la station comme ça? Ils m'en ont envoyé deux, mais pour de vrai. Ça me dit, oui, en fait, on a vu que vous avez reçu un deuxième. Je me dis, oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Et depuis, pas de nouvelles. Depuis, pas de nouvelles. Mais je pense qu'ils se sont plantés. Ils m'en ont envoyé deux, comme papa. Donc, qu'est-ce que je vais faire du deuxième? Eh ben, je le vendrai pour m'acheter un chat. Un nouveau chat. Non, pas du tout. Bon, attendez, faut que je parle des produits. Putain, quand il y a trop de monde comme ça, que je veux lire tous les commentaires. Bon, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? Cette semaine, attends, je reprends ma liste. J'ai reçu... Alors... Ah, montre chinoise, Sigul. Ta-da-da, regarde comme elle est belle, c'est bon. Alors, vous trouverez tout ça sur jtgeek.com. Attends, je vais mettre comme ça, copier. Vous trouverez tous les liens. Je peux mettre là, tu vois? Non. Je peux mettre là. Voilà. Donc, vous trouverez tous les liens ici. Nouvelle montre. Alors, c'est pas une montre Sigul. Hein, c'est une montre hommage Sigul, mais dedans, c'est du Sigul. Alors, on peut rappeler, la montre originale Sigul, la 1963, fait 500 euros déjà. Même chez Sigul, pique un peu. Et elle a un chrono. Et moi, le chrono, je m'en bats les couilles. Par contre, celle-là, qui est une montre hommage, donc elle reprend un peu le design et tout, mais elle a pas de chrono. Elle a la réserve de marche, la date ici, et les secondes en là, et heure en minute, pas mal. Elle a un mouvement Sigul 200 dedans, un 1705, je crois, de mémoire, un ST quelque chose. Et elle fait que 90 balles. Elle fait... c'est de la balle, voilà. Donc, j'ai reçu celle-là. Elle sera en review au mois de février avec, du coup, les trois Sigul. La Sigul que j'ai acheté moi, avec mon argent, enfin, le vôtre, qui est une vraie Sigul trop bien, celle-là et la baignard que je vous ai présenté dernière fois, où dans la baignard il y a un mouvement Sigul aussi. Voilà. Ça, c'est pour faire les choses un peu simples. J'ai reçu un... Alors, le problème, c'est que le mini ampli, j'ai reçu les enceintes ce matin. J'ai reçu ça là, c'est pour faire un pré-roll. C'est pas pour faire une review, c'est faire un pré-roll. C'est un mini ampli, c'est gros comme ça. Tu branches, t'as une prise secteur, tu mets tes deux enceintes derrière, ok. Et là, tu as un potentiomètre, tu mets soit l'USB sur le côté, soit la prise jack, soit Bluetooth, ce qui est parfait pour moi. Et après, tu branches les antennes derrière et le transfo. Et ça te fait un espèce d'ampli 2x30 watts à peu près. Et tu commandes depuis ton téléphone en Bluetooth, tout, c'est trop génial. Oh, c'est vraiment trop génial parce que du coup, j'ai acheté des enceintes rien que pour ça, pour faire la review, pour faire le pré-roll, ce qui n'est pas rentable. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en ligne? J'ai disparu? Non, je suis là. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, j'ai reçu ça, c'est vraiment génial, parce que ça permet, hop, j'ai deux enceintes, je mets ça juste dessus, 2x30 watts, ça permet de faire déjà beaucoup de trop de bruit. Eh bien, attends, je regarde des fois que ça soit important. L'important... Ok, c'est des merdes. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ça permet d'avoir deux enceintes, de mettre le truc dessus, tu mets en Bluetooth, tu mets ton téléphone sur Bluetooth, tu commandes tout avec le téléphone, la musique, monter le volume, descendre. C'est vachement pratique et tout. Ça sera en pré-roll. Normalement, ça doit être un des pré-rolls qui va être, enfin, une sponsor pour certainement les montres. Voilà. Ça, c'est certainement prochainement, ultérieurement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre reçu cette semaine? J'ai reçu... Il a perdu la page, voilà. Mini ampli Bluetooth, c'est bon.
J'ai oublié. Attends, mini ampli Bluetooth, c'est bon. La tablette Teclast. Alors, nouvelle tablette Teclast, la Teclast T40 Pro. Je vous ai fait un article sur JT Geek parce qu'on est en deal avec eux. En fait, c'est l'ancienne meuf de chez Banggood qui travaille chez Teclast maintenant. Et elle m'a envoyé celle-là, donc je l'ai même pas ouverte puisqu'elle sort que le mois prochain. Voilà, donc deuxième semaine de février. Bah oui, parce que première semaine, ils sont en vacances. Donc c'est la Teclast T40 Pro. C'est un processeur Unichaussette, je crois. Elle a dit. Unisoc T618. T618, pas mal. Pas mal, en même temps, rien à dire. Faut voir, après, faut voir ce que ça va donner en review. Il y avait ça, et j'ai oublié de le mettre, et j'ai reçu ça. Ça, c'est la review de mercredi. C'est une espèce de cette nouvelle tendance là. Alors je crois que Oukitel ils en ont une aussi, mais c'est une nouvelle tendance de batterie et batterie externe. Bon, batterie externe, comme ça pour tu vois, c'est de batterie externe, tu vois, donc ça fait éclairage et tout. Dessus, il y a un onduleur. Ça veut dire que je crois qu'elle fait 500 watts, un truc comme ça. Je crois qu'elle est pas vilaine. Attends, fais-moi. Combien de watts tu fais output. 450 watts. Donc t'as 450 watts de sortie, c'est pas mal, c'est à peu près ce que consomme mon iMac. 450 watts de sortie avec un onduleur, donc t'as une batterie de 80 000 mAh quand même. Tu peux la recharger avec un allume-cigare, avec la charge en secteur ou en mettant un panneau solaire directement dessus. 3 prises USB, USB type C et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoute, c'est pas le produit le plus révolutionnaire, mais c'est très très pratique. Ce qui ira un petit peu avec mon deuxième, enfin un réachat, parce que moi j'ai un onduleur. Parce que des fois j'ai des petits problèmes de courant en Thaïlande où ça coupe. C'est des petites micro-coupures là. C'est juste les micro-coupures qui te font redémarrer l'ordinateur. C'est un peu la misère. Donc j'ai acheté un onduleur, c'est pas cher. Hein. Je vous ai mis le lien dans la description. On en trouve à 200 balles chez vous, je crois. Et puis la batterie, bah, ça faisait 2-3 ans que je l'avais, l'onduleur. La batterie était sec parce que, encore une fois, ça charge une batterie et la batterie fonctionne avec un onduleur, c'est le cas de le dire. Ça convertit le continu en alternatif. Et ça permet, voilà, s'il y a une coupure de courant, comme tu es sur la batterie, donc ça recharge la batterie tout le temps, mais quelque part, la batterie, après, elle, est convertie en alternative et ça alimente ton réseau à toi. Ça veut dire que s'il y a une coupure de courant, et ben comme le courant ne fait que alimenter la batterie et qu'après, toi, tu tires sur la batterie, ben, ça permet de sauvegarder. Là, le problème, c'est que ça fait ça tout le temps et que ben, la batterie, elle était sèche et que j'en ai racheté une. C'est pas excessivement cher en plus, ça doit être 30 balles, un truc comme ça, je crois. Voilà, une belle petite batterie bien lourde, bien grasse, qui permettra de remettre ça sur mon onduleur qui est là, que j'ai démonté avec toutes mes compétences Mavelec qui me restaient. Et puis voilà quoi, après c'est simplement, ça fait pas beaucoup, ça fait 5, il fait 550 watts celui-là, mais bon, pour alimenter un iMac et 3 éclairages, ça suffit très très bien, pas besoin de mettre beaucoup plus. Après il n'y a pas une autonomie, je crois, la fois je tombe en panne, j'ai retenu à dire 2-3 heures. Et après là où ça peut être intéressant, c'est que ton onduleur, imagine il n'y a plus de courant, ton onduleur, et eh ben il est plus alimenté, d'accord, coupé de courant, tu peux le plugger là dessus et du coup tu récupères les 80 000 mAh là dedans qui alimentent ton onduleur, donc qui alimente la batterie en interne, qui alimente ton Mac. Donc quasiment je pense que tu peux tenir 5 6 7 heures tranquille à bosser et tout quoi. Et après ben, le wifi, tu prends le wifi de ton téléphone, tu mets comme certains savent faire et tout. Ça fait des produits qui sont plutôt sympas. Donc la montre chinoise ici, le mini ampli Bluetooth, on en a parlé, la tablette Teclast, oui, la nouvelle batterie pour mon onduleur, oui, et j'ai oublié la grosse batterie de Nouveau qui sera en vidéo mercredi puisque vendredi, j'ai oublié ce que je devais faire vendredi. Mercredi c'est, attends, lundi c'est le casque, elle est prête. Mercredi j'ai oublié, mais j'ai noté, je trouverai ça. Mercredi, c'est la batterie. Et vendredi, je sais pas. Ah, c'est l'aspirateur, le Midea Essuite Plus. Sauf si elle m'écrit dans la semaine en me disant, c'est encore reporté et tout. Donc, dans ce cas-là, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Bon, revenons-en à nos commentaires. Comme ça, je vais lire un peu. J'ai l'impression d'être ultra à la bourre. Là, il est déjà 49. On a un petit pic d'abonnés, là, ça fait plaisir. 255 followers, c'était pas mal. On a un petit pic de vue, donc peut-être que c'est tous ces gens-là qui sont partis parce que ça les intéressait pas. Reviendront peut-être demain pour les cadeaux. Oh, t'imagines si on fait 150 personnes en ligne là pour les cadeaux? Pas mal. Oh, bonjour, merci à Mido, Medo, peut-être.
Eh ben, imagine demain 150 pour les cadeaux, ça va chier, je le dis. Alors attends, là j'en suis, je suis sur YouTube, je savais pas que t'avais Twitch. Ok, 900 euros pour être tranquille. Ça, voilà, pour revenir au visa Thaïlande, ouais, c'est vrai que bon, 100 euros par mois, c'est peut-être un budget. Et encore, je trouve pas tant que ça, mais au moins t'es tranquille, ils te cassent pas les couilles avec soit les assurances, les machins, les trucs. En théorie, tu peux partir, revenir plutôt facilement, mais voilà, tu vas à l'immigration, t'as un visa élite, tu vas à la banque, t'as un visa. Enfin, partout où tu vas, dès que t'as un visa élite, voilà, ils savent que t'es là pour longtemps, quoi. Donc t'as signé en théorie. Donc c'est plutôt, voilà, c'est presque le prix de la tranquillité. Et c'est vrai que réduit, c'est vrai que bah, il faut sortir les sous d'un coup, ce qui était mon problème, mais bon, après voilà, faire un crédit, hein, fait comme moi. Hein. Et mais voilà, au moins ça permet d'être serein et de dire. Pff, je suis tranquille pendant 15 ans, donc là c'est bon, hein. Je vais pas me racheter une chaise. Première fois sur le chat de Manuel Ferrara, amusez-vous bien, trop bien. Shadow, ok, jure, d'accord, ah, ils se connaissent les deux. Il y a un tourloupe. Pourquoi il fait chaud comme ça chez moi là? Putain, mais il n'y a pas la clim là? 29, ah ouais, mais j'avais mis 29, attends. Je sais pas chez vous, mais nous, c'est 35 degrés l'après-midi, c'est invivable. J'ai presque, j'ai aussi chaud que Shadow avec le Covid. C'est le mec qui sera coupé au montage. Bon. Première fois d'un spectateur, donc. Chouquette. Salut, bonjour. Tu t'es fait raid. J'ai bien l'impression que je me suis fait raid. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup à. Ah bon, raider. Ah bah on a pris un petit pic de vue là et un petit pic de follow qui est pas négligeable et qui me fait extrêmement plaisir pour ce jour de deuil, malgré tout. C'est pas parce que c'est un jour de deuil, mais bon voilà, rien aujourd'hui, c'est un jour spécifique, spécial, spécialifique, magique, atomique. Créatif. Bon, on va continuer. De la pub pour le replay. Ils avaient qu'à te suivre en live. C'est exactement ça. Mais je pense que la vidéo, je la mettrai. Je l'ai préparée, je la mettrai sur YouTube après. Voilà. Pour dire, hey, venez, viendez sur Twitch. Il y a un peu du monde. 78 en ligne là quand même. Hein. Hey, je suis désolé, mais merci beaucoup. Quoi. Ça fait plaisir. 78, je crois qu'on a explosé le record. Le record était à 48. Voilà, pour vous donner une petite idée. Il était encore été à 48 dimanche dernier quand on a commencé à offrir les cadeaux. Voilà. Là, on commence à teaser pour offrir les cadeaux demain. Et on a quand même fait un petit pic à 140. Mais bon, après, il y en a beaucoup qui sont partis parce que. Ils ont dû venir, ils ont dit c'est quoi ce taré là? Ils sont repartis. Mais voilà, toujours 78 en ligne, ce qui est juste le record. Voilà. Donc de record en record. J'ai pas la suite. Voilà. Mais écoute, si t'as la suite, tu me mets en commentaire. De record en record. Écoute, ça sera le slogan. Harry Kelbay, bonjour. Bon, nouveau fois, voilà. Pour des raisons de. Alors, automode, sexualité, sexe. Wander, il est. Il hausse et pouf, la pub. D'accord. Il te hausse. Ah oui, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Oui, j'ai mis la pub juste au moment où il me raid. Bah, je suis désolé, pouf le chat. Première fois de. Alès, bonjour. De traversière. J'aime beaucoup. C'est un de mes pseudos préférés. Après les boules lumineuses. C'est très bien, c'est très bien. Mais ça passe. Ça passe. Le robot n'a pas censuré. Isluzi, hello GLG. Tu es toujours en Thaïlande. Oui, toujours en Thaïlande. Et j'ai re-signé pour 15 ans. Yeah! Parce que de toute façon, on peut aller nulle part. C'est un peu le problème. Taïwan, c'est pas mal. Hein. Il commençait à dire que c'est. Mais bon, pour y aller, c'est la misère atomique. Il y avait l'Ukraine aussi, mais non. Voilà, donc toi, je pourrais même pas aller faire mon stage pour fabriquer des baskets pour le jour de l'an chinois, puisque tout est fermé et la Chine c'est de pire en pire, hein, vraiment, ils verrouillent tout, donc c'est même pas la peine de penser y aller. Et après pour revenir ici, c'est la misère et tout, ils ont fait les bacs à sable à Phuket et tout, mais bon, restons ici le temps que ça se tasse, hein, et puis voilà. Donc j'ai un mot, voilà, je dis, bah, je peux pas partir, c'est à cause du Covid. La France, ça commence à devenir un peu. Ah, tu l'aimes ou tu la quittes, je suis parti en 2011. Hein. Par exemple. Non, mais voilà, la France est devenue un peu compliquée. On est mieux ici, hein, je te le dis, moi. Alors, pub de couche, c'est vrai? C'est vrai? Pub de couche? Alors, bonjour à tous. Bien, bonjour à tous ceux qui sont. 78 quand même, hein. Bordel de. C'est beaucoup, hein.
Beaucoup. Mais c'est peut-être que le début du succès. Oh, j'ai impatience, je sais pas. Ça serait peut-être le moment de commencer à donner les pronostics pour demain. Comment, combien vous pensez qu'on sera demain pour ce deuxième live de cadeau, hein, quand même. Combien on pourrait être? Je rappelle demain, ceux qui arrivent, vous savez pas, je rabâche un peu, mais il y a une caméra IP à gagner, une batterie externe chargeur et un bon d'achat Amazon 10 euros. À savoir que j'ai un budget qui est adapté en fonction du nombre de followers. Plus il y a de followers, plus il y a de cadeaux et de bons. Mais déjà, on a déjà bien upé l'histoire. Et aux nouvelles venues. Ok, Laurent. Hello, la foule. La foule. Il a changé Dino. Team. Oh là là, vache, Team quoi? Team Dino? Je suis pas dans le truc là. C'est nous la. La team canette, c'est vrai? connais pas, mais welcome, puisque oh, 84 en ligne, oh, ça pique un peu là quand même. Première fois sur le chat de Narvalus, tu parles de quoi dans mes lives? Alors, le mercredi, on parle de... Surtout de high-tech. Moi, je suis très high-tech chinois, tu vois, hein, j'étais un des précurseurs dans le high-tech chinois, tu vois. Et dans les smartphones chinois surtout. Et alors le mercredi, c'est du high-tech, du blabla, du truc, surtout de répondre aux commentaires, d'interagir et tout. Et le samedi, c'est plutôt les déballages des produits, parce que je fais des reviews. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle GLG Review. Si Shadow peut nous mettre le lien. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle GLG Review. Je fais des reviews de produits high-tech. Smartphone, aspirateur. Bon, et voilà, l'aspirateur, c'est nouveau, mais avant, c'était surtout les smartphones. Et les produits high-tech, et les caméras, et les choses comme ça. Merci à BZH pour les diamants qui sont bien évidemment éternels. Voilà, donc je fais les reviews. Donc le samedi, on parle des reviews que j'ai fait la semaine et on vous regarde les produits que j'ai reçus cette semaine, donc qui seront en review la semaine prochaine. Mais je suis très montre en ce moment, regarde. Et c'est une jolie montre Sigul. Sigul, c'est une marque de mécanisme chinois. Elle montre une marque chinoise depuis 1963. Non, 1958. C'est la première, c'était 1963 parce que voilà, la montre des aviations de l'Air Force chinoise. Ça devait claquer en 1963 quand même. Voilà. Et le dimanche, on fait juste un live pour faire gagner des cadeaux. Puisque j'ai plein de contacts avec les marques et je leur dis, ça très bien que vous offriez des cadeaux un peu à tous ces followers qui viennent. Puis les followers, ils se sont dit, moi j'aimerais bien regarder tes lives et gagner des cadeaux aussi. Donc on a dit, bah ça serait simple. Alors on demande aux gens de venir, de me follower. Et dimanche, à 16h, on fait un petit live et je fais gagner des cadeaux. Et c'est les marques qui vous envoient les cadeaux après, directement. On en est au deuxième. Premier, il y avait 3 bons d'achat. Là, il y a un bon d'achat et une caméra, une batterie. Et plus on monte comme ça, parce que j'ai plein de contacts avec les marques, plus on aura de followers, plus vous pourrez gagner des beaux cadeaux. Voilà. Moi, ça ne me coûte rien, parce que c'est les marques qui les envoient. Et ça peut rapporter des followers, de l'audience et beaucoup de bonheur pour vous de gagner des cadeaux. Puisque Nono, qui avait jamais gagné, les 3 gagnants de la semaine dernière, qui n'avaient jamais rien gagné à rien, mais c'était quand même bien content de gagner, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ça va dans le Schnorr, il fait du soleil chez moi. Dans le Schnorr, il y a du soleil, t'es sûr? C'est pas un éclairage, non? Parce qu'il fait peut-être sombre dehors, ils ont peut-être mis à allumer les éclairages déjà. Quelle heure il est chez vous? Alors il est 10h. Bon, ça va. Bonjour à tous vos nouveaux followers. Ok, le Manuel Ferrara, ta host avec 1400 views. Waouh, pas mal. Bah écoute, merci Manuel Ferrara TV. Ça, je connais pas, j'ai honte, hein. Je vais te follower aussi, hein. Je vais te raid aussi. Non, je déconne, mais j'ai pas d'abonnés, moi. Enfin, j'ai pas de followers, j'ai peu, mais ça va porter ses fruits un jour. Hein, merci beaucoup à lui, encore une fois, de m'avoir follow. Et tous ceux qui viennent de sa part, bah, vous lui direz merci de ma part. Hein. Ça fait zizi, après. Ça fait plaisir. Oh, enfin, c'est vrai qu'en fait, du coup, enfin une plateforme où il y a de l'entraide. Parce que depuis, tout le monde me dit, elle gros, voilà, 1400, c'est un gros Twitcher. Bon, revenons-en à nos conneries. Salut, nouveau, ok, alors là, il m'a followé, ça c'est bon, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que se passe-t-il là? Ah, mais là, le problème, c'est que si la plupart ils sont trop jeunes, ils connaissent pas, ou alors ils connaissent et c'est bien. Première fois de Lord Macbeth. Technomobile, écouteurs, enceinte, batterie, etc. Pas mal, merci beaucoup. Ouais, c'est bien ça. Oui, t'as mieux trouvé que moi. T'as mieux répondu que moi à ma propre question. Ouais, technomobile, high-tech, voilà. Et diplômé Mavelec. Pour ce que c'est maintenance audiovisuelle électronique quand même, s'il te plaît. Hein. Je réparais des télé à tube et des métoscopes à cassette, moi.
J'ai bien fait, c'est la dernière année. Je pense qu'après ça, ils ont dû leur biométoscope tout pourri, on était les derniers à les réparer, hein, à Cannes-la-Bocca, là-bas. C'est la team canette. D'accord, ok. Ah, mais il y a le chat en pause. Non! Oui, mais moi, ah oui, moi, oui, bah, il faut que... Je lis tous les commentaires. Je suis assidu, comme garçon. Je lis tous les commentaires un par un, et je remonte. Alors, bientôt, les vaccinés testés positifs auront le droit de prendre le train, et les vaccinés testés négatifs devront rester au quai. Ah oui, putain, j'ai vu ça aussi. Il y a un moment, il expliquait que les vaccinés pouvaient prendre le train, mais pas vaccinés qui étaient pas... Un vacciné qui était malade pouvait prendre le train, mais un pas vacciné... pas malade pouvait pas prendre le train. Oh, c'est compliqué, hein. J'ai dit, vaut mieux rester en Thaïlande, je te le dis, moi. J'ai été testé positif, je peux t'assurer que je suis KO, j'arrive même pas à me lever de mon lit. D'accord. Ouais. Et t'es vacciné? T'es vacciné ou pas? D'abord, ça a été vacciné ou pas? T'es vacciné, ça veut dire que ça aurait pu être encore plus grave, donc dans le malheur, c'est ça. J'ai mon chat, il en est mort quand même, hein, ce matin. Non, mais il est pas mort de ça, mais... Ah, on va dire que c'est la faute du Covid, voilà. On va dire que mon chat, il est mort du Covid. Donc je l'ai aussi. Non, je me suis testé avec leur truc. J'ai mis dans le nez, j'ai mis la touillette, j'ai mis dedans et tout. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous prenez un test PCR, comme j'ai acheté, et au lieu de mettre ton dégueulis de fond de nez, là, tu mets une orange, et ça tape positif. J'ai vu une vidéo. Le mec, il prend une orange, il met le truc comme ça, et il attend... positif. C'est-à-dire que l'orange est positive. Heureusement que je mange que des bananes. Hein. Je te le dis, moi. Il nous lira en 2023. Regarde, mauvaise langue que tu es. J'ai même pas une heure et j'ai presque lu tous les commentaires. Je suis mort. D'accord. A retenu un message. C'est un acteur porno qui t'a host. D'accord. Ah, la team, c'est la team acteur porno. Je valide. J'aime beaucoup. C'est là. Bah ouais, bah il m'a reconnu alors. D'accord. Donc c'est un jeune acteur porno qui s'est dit tiens ah un confrère qui se lance sur Twitch, je vais lui donner un coup de main. Eh ben écoute, j'ai reçu c'est pour ça que j'ai reçu autant de bits. Bon, revenons à nos cochonneries. C'est un acteur porno. Bah ouais, mais il n'y a rien qui passe. C'est un acteur qui t'a host, c'est vrai? Je déconne. Alors, non, c'est vrai, vous connerez quoi? Ah, il faut que je regarde. Merde, Shadow, envoie-moi l'adresse de son Twitch là, en privé, sur Line, que je le follow aussi. Ça se trouve, on se connaît. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est une connerie, c'est pas vrai. Je suis pas acteur porno. Hein. Je tenais juste la caméra, moi. Bon, revenons-en à nos bêtises. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ils n'auront pas besoin de passe vaccinal. C'est cool quand même. Oui, bah oui, faites ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Retenez vos messages. So, j'ai testé positif hier. Un plaisir. Et c'est surtout un gros rhume. Fatigue et mal de gorge pour moi. Et 7 jours d'iso, ça me fait des vacances. Bah voilà, c'est ça, tu vas pouvoir rattraper un peu mes vidéos. Alors, GLG Review et GLG Vidéo. Tu tapes by GLG sur YouTube, t'as GLG Review, j'ai plein de reviews à rattraper. GLG Vidéo, JT du Geek tous les mardis et vendredis. Rattrape un peu comme ça. Non, mais donc demain, tu seras là à 16h. T'es pas mort. Comme mon chat. Non, mais demain à 16h, tu seras là. Voilà. Donc, à 16h, tu seras là. Donc, au pire, demain, tu gagneras peut-être un truc. Voilà. Ou pas. Ou rien du tout. 147 sur le live. Oui, on a fait un petit... pourquoi suis-tu moins les smartphones chinois? Bah, les smartphones chinois, ça, c'est quand même vachement... On a eu une tendance. On a eu un début quand je suis arrivé en Chine en 2011, où je commençais les smartphones chinois. 2011 est arrivé, les premiers smartphones chinois, en fait, les premiers processeurs qui étaient compatibles Android et 3G sont arrivés. Donc, ça commençait avec les premiers MediaTek, c'était pas mal. Après, Free Mobile qui arrive en disant, ah, mais nous, on vous donne des cartes SIM, pas de téléphone. Et les Chinois qui disent, bah non, là, tant bien, un téléphone chinois marche pas terrible, mais bon, pour le prix, c'était pas mal, quoi. Donc ça a fait un boom. Et puis c'est vrai qu'on avait quand même une évolution tous les 6 mois, où tous les 6 mois, il y avait un nouveau téléphone qui apportait quelque chose. Avant, il n'y avait pas de Touch ID, il n'y avait pas de caméra de ouf, il y avait des processeurs qui n'étaient pas ultra puissants. Et on a eu un bond technologique en 10 ans, quelque part, un peu d'accord, en 10 ans, où on est quand même passé de téléphones chinois, même de smartphones qui étaient quand même un peu à la ramasse, à des smartphones qui sont dignes de connecter. Genre, la plupart des trucs connectés maintenant, ils utilisent la puissance du smartphone, des caméras qui sont ouf, des écrans, de la puissance, de la connectivité, de la photo, de l'audio.
Mais force est de constater que depuis 3 ans, enfin même déjà un peu avant le Covid, il n'y avait pas d'innovation et qu'on était vraiment sur un marché comme le marché automobile. Ça veut dire que tous les ans, ils prennent la Clio 2 en faisant la Clio 3, la Clio 4, la Clio 5, la Golf, la Tata, hein, et tous les ans, ils nous font un upgrade de ce qu'ils ont déjà, quoi. Ils la mettent à jour. Et les smartphones sont rentrés dans le même business model. Ça veut dire que tous les ans, bah, ils font évoluer leur modèle avec les dernières technologies. iPhone le fait très bien, Samsung, tout. Ils ont une gamme de produits et tous les ans, ils mettent ce qu'il y a de dernière techno. Mais là, on voit bien que les dernières techno, à part les premiers, les téléphones les plus puissants de chez puissant, et les caméras où on est monté à 108 millions de pixels pour redescendre à 50 en dual pixel, et voilà. Donc on voit, ils ont essayé de faire une surenchère, puis ils sont arrivés à un moment en disant bon bah voilà, on est arrivé au bout du truc, on n'a rien. Puis après il y a eu le Covid, et comme j'expliquais, généralement pour qu'un téléphone soit conçu, produit et machin, il faut environ 2 ans. Et le problème, c'est que les 2 premières années de Covid, on a eu les téléphones qui étaient déjà en pré production à l'avance, c'était déjà un peu truc. Puis après, à partir du moment où les mecs n'ont pas travaillé, ben après, où ils ont rien branlé, ben on arrive à un moment, bonjour et merci à docteur Soukmadi. Voilà. À partir du moment où après, bah, les mecs ont arrêté à cause du Covid mondial, bah, les mecs ont rien fait. Donc là, on arrive à presque 2 ans à partir du premier cas de Covid en 2020, je crois. Et ben, on arrive au moment où il n'y a plus rien de bien. Puis ça, on le voit au niveau des smartphones chinois, on le voit même au niveau de tous les smartphones où bah, le nouvel iPhone, il est mieux que l'ancien. Mais bon, de là à, avant, c'était vraiment tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il y avait un nouveau téléphone, tout le monde voulait changer parce que le nouveau était carrément mieux. Là, aujourd'hui, qui peut me dire que le nouveau vaut carrément le coup de changer celui de l'année dernière? Soit tu as un téléphone qui a 3-4 ans, et dans ce cas, tu dis, bon, allez, ça vaut le coup parce qu'il y a 3-4 ans d'évolution. Mais sinon, bon, les téléphones n'ont plus rien de tendance. Et on le voit au niveau des marchés des smartphones chinois, hein, où ça s'est vachement calmé. Et on le voit dans plein de business comme ça, et même dans le high-tech et dans des choses comme ça. Donc c'est vrai que bah, les smartphones chinois, déjà les smartphones tout court, hein, alors on en parlait, je dis à part les smartphones chinois, il vous reste quoi? Il reste Apple et Google et Samsung. Voilà, il reste 3 marques qui dominent un peu le marché, et après Xiaomi, Realme, Redmi, voilà. Redmi, Xiaomi. Oppo, Vivo, OnePlus, ouais, et Realme qui continue un peu à nous proposer des upgrades, mais ça c'est vachement, il y a vachement plus trop d'intérêt. Genre, même moi les téléphones, j'ai regardé passer Realme GT, Realme GT2, Realme GT2, tu vois, Dragon Ball Edition. Enfin, et après voilà, ils nous font des tout petits upgrades d'année en année, et malheureusement ça suffit pas aujourd'hui à redynamiser un marché. Hein, puis l'innovation a pris quand même un coup dans la gueule. Grâce, parce que déjà ils n'avaient plus rien en tête, et puis en plus, bon, il y a eu le Covid, on est d'accord. Ton CG noir, c'est déjà ça. Je vois pas le rapport. Oui, avec le Covid, il y a plus, c'est ça. Mais il y a eu un creux, hein, encore une fois, il y a ce creux là où pendant les mecs ont rien fait, ont rien pu innover. Puis en plus, là, au bout de 2 ans, on se tape la pénurie. C'est-à-dire que les mecs, non seulement ils ont rien créé de nouveau pendant 2 ans, mais chaque fois, quand les mecs ils veulent créer quelque chose, ils disent attention, si on veut sortir quelque chose de nouveau, il faut qu'on puisse assurer derrière. Qu'on puisse avoir les composants, qu'on puisse avoir la matière première, et il y a des problèmes de transport, et des problèmes de matière première et tout. Donc même à ce niveau-là, les mecs sont pas trop chauds. Et regardez par exemple le cas de la PS5 qui est sorti en plein marasme. Bah, les mecs ils se sont dit bon, le problème c'est que la PS5 on n'arrive pas à avoir des composants, donc on va continuer la PS4 parce que là les composants on n'arrive plus à en avoir et tout. Donc toi même au niveau des marques comme ça, on se rend compte que bah ils arrivent pas à assurer quoi. Même s'ils avaient un peu innové un peu en avant, qu'ils ont réussi à sortir, ils ont pas les pièces. Donc dans ce cas dans le cululu. Voilà, ça fait longtemps qu'elle n'en avait pas pris dans le... Ouais, bah bon, t'as compris, quoi. Je l'ai eu à 90€, il est top, donc... Bah ouais, mais là, 100€, mon pote, je sais pas. Je sais pas, il y a du Redmi, hein, pas Xiaomi, mais il y a du Redmi à... Dans ces prix-là, il y a du Redmi, on peut avoir du 7, du 8 ou du 8A, dans ces prix-là, c'est les bons petits téléphones. Mon gamin en a un, et bon, bah, c'est son premier téléphone, mais ça allait, tu vois, on peut... Tu peux arriver à trouver de bonnes petites promos, hein. Après, si t'as 200 balles, tu peux avoir du Poco, hein. Si tu mets 100 balles de plus, tu peux avoir du Poco, et là, on rentre dans une autre... Un Poco loco, ce qui veut dire un petit peu local, c'est-à-dire un vrai téléphone chinois. T'imagines, mec. Ah ouais, Poco Loco, ça veut dire ça? Ah, c'est pour ça, alors. Bon, je vous laisserai... je laisserai quelqu'un lui écrire la traduction. Allez-vous-en. Vous avez niqué le truc à Greg Log. Non, je plaisante. je suis désolé, mais je n'assure plus, là. Heureusement, il y en a plus de 57 en ligne. Ouh, on a passé un gros pic, là. Hein, heureusement. Hein.
Effectivement, je réponds. Miku. Alors, c'est point d'exclamation, Giku. Voilà, c'est pas point d'interrogation. Giku, 16h demain, c'est ça. Merci à Shadow pour les petits diamants. 16h demain, GLG, oui. Tu as 7 N iMac. J'ai pas compris. Tu as un iMac. Oui, j'ai un iMac 2020, le dernier là, avec la puce M1, tout fin, tout beau, tout mignon. 4 fois plus, il va quand même 4 fois plus que mon Mac Mini. J'avais racheté, j'avais un vieux Mac Mini de la mort qui tue. Il est encore branché. J'avais un vieux Mac Mini de la mort qui tue, je l'ai remplacé par un Mac Mini, tu vois, avec USB type C, il y avait 3 ans, je crois, en 2000, je sais plus, ça passe tellement vite le temps là, et c'est déjà bien, hein, tu vois, pour faire le montage et tout, mais là, putain, le Mac M1, laisse tomber quoi, ça tue. Ça déchire sa mère, comme dirait nos petits gars, les gars de la cage d'escalier, tu vois. Bon. Coq. Ok. Il y a un Mac avec puce M1. Voilà, merci beaucoup. C'est bien ça, merci. J'ai déjà vu chez un de tes confrères. Je ne me rappelle plus qui. Confrère, en deux mots? Non, en un mot. Ok. L'ampli. Important, c'est la rose. C'est top les batteries avec les survalises. Ok. C'est un post-cassette des années 90. J'ai reconnu la batterie? Nya, même pas. Exact, exact. Attends, je lis, je survole un peu les commentaires. Giku, non, point d'exclamation! Putain, mais vous ne comprenez rien, quoi! C'est point d'exclamation, Giku en majuscule! Ah! Oh, pas point d'interrogation! Ah! Oh, mais non, Dieu! Comment vous allez faire demain? Quelle panique demain! Alors, demain, vous n'aurez qu'à copier-coller. En fait, le truc automatique dit, ah, il y a un chat et il y a juste à copier-coller. première fois d'un spectateur. Bonjour, Mac. Grâce à Manu Ferrara. Let's see. Eh ben, écoute, merci à lui, hein! Qui est-ce, Manu Ferrara? Si je clique dessus. Tada! Chuchoter. Offrir un abonnement. Badge. Prime Gaming. D'accord. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Ok, moi je vais y arriver. YouTube, ça c'est bon. C'est normal le délai entre quand tu mets un message et quand on les lit. Oui, bah oui, bah il faut le temps que ça passe. Je vous rappelle, si vous l'envoyez, vous, dans votre pays, là. Voilà, après ça passe sur Twitch et moi ça arrive en Thaïlande sur mon ordinateur avec Streamlab. Non, en fait, vous mettez, attends, sur Twitch. Après ça arrive sur mon Streamlab, d'accord. Je lis le commentaire sur Streamlab et après je le renvoie pour l'uploader. T'imagines un peu tous les kilomètres qu'on fait là? Toi, t'en rends pas compte, mais c'est presque rien. Oui, il lit par ordre. Il lit par ordre, voilà. Alors. C'est normal, Mike, il était sur UFC Manu ce soir. J'avais vu un aperçu, là, je me suis réveillé. D'accord. UFC ce soir? D'accord. Il y a ça qui est l'UFC ce soir, mais samedi soir. Je sais pas si c'est ce soir, Cyril Gane et tout. Non, je crois que c'est plus... Je crois pas que ce soit le 15, c'est plus le semaine prochaine. On verra ça. Qui a volé l'orange? L'orange du... Manu the best. Manu the best. Je ne sais pas que tu... était dans le porno. Ah, pas mal pour passer à travers. Donc GLG, c'est pour j'ai la gaule. Allez bien, allez bien, allez bien, j'ai la gaule, je valide. Pixel 6 number one et tout. Je regarde, il y a combien de commentaires là? Ça y est, on arrive au bout là. Pixel 6 number one, j'ai dit, ok, arrête de taper dans ton micro, Greg. Non, c'est pas moi. Hier, j'ai testé un site de clé que tu avais parlé, il y a longtemps que je me suis acheté Note 22 sur les un Anton. Très bon site, merci. Ah bah écoute, avec plaisir. Pour les 20h. Attends. Ah ouais, il verra mes messages ce soir, quoi. Il fait ce qu'il peut, hein. Il fait ce qu'il peut. Après, tout le monde est dans la même. Tout le monde veut être lu. Tout le monde veut être lu. Donc pour qu'il n'y ait pas de ouais, mais dans ce cas, il lit que mes messages. Non, non, mais il faut que je lise tout le monde. Encore, j'en ai sauté pas mal là. Il quoi? Bon, j'abandonne. J'abandonne. J'abandonne, ça marche pas.
Le chat qui a aussi décédé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. En fait, le chat, j'avais sauvé un chat il y a 3 semaines, qui est arrivé, là, qui était posé devant ma moto et il avait une inflammation de la trachée, soigné, antibiotiques, machin. Et après, il était encore malade. Il était un peu, on est tombé un peu sur le Dr House. Il a dit, je soigne maladie par maladie. Et puis, dernièrement, on avait été faire une radio parce qu'il avait les poumons pleins. Il avait une péritonite, c'est-à-dire que les poumons pleins d'eau, il les a mis avec une seringue. Ah, c'est dégueulasse. Et après, il avait aussi une petite leucémie, voilà, dans les tests sanguins. Donc voilà, il était quand même un petit peu condamné, le chat, mais il a une belle vie, il a bouffé du Sheba, il a glandé toute la journée, voilà, la vie de rêve. Gikou, non plus, ça marche pas, non, c'est pas ça. C'est Gikou, c'est pas... Ah, voilà, Fred, enfin, il a trouvé. Merci Greg, t'es un bon gars, tu prends pas tes abonnés pour de la marchandise comme 85 des streamers. Ouais, ça viendra, hein, t'inquiète pas, hein. Là, parce que j'en ai pas beaucoup, je suis obligé de faire le gentil, mais après, une fois que vous serez nombreux, il y a la moitié, moi, c'est... J'ai le truc porno et tout là-bas. Enfin, tu lis attentivement et réponds à chaque commentaire. C'est gentil de ta part. Eh bien, écoute, on fait ce qu'on peut. Même s'il y en avait peut-être un peu trop aujourd'hui. Ça fait quand même 1h15. Je suis en arrêt de jeu, mais on a quand même tellement... On a fait quand même... Merci à mon acteur porno préféré. Je sais même pas. Mais voilà, on a fait tellement un pic de followers et de trucs là aujourd'hui que voilà, ça valait quand même le coup de prendre le temps et de lire tous les commentaires. C'est quoi les horaires de stream demain? Demain, 16h. On se retrouve demain entre 16h et 17h pour les cadeaux. Ça sera juste un live, on sera juste là pour lire les commentaires et vous faire gagner les cadeaux. Enfin, c'est compliqué, voilà. On lancera le truc, il y aura un mot automatique du robot qui vous dira « Hey, copier !» Point d'exclamation, Gikou en majuscule, et là, vous participerez automatiquement au jeu. On suivra ça en ligne, comme on a fait la dernière fois, tu vois. J'ai mis une petite fenêtre et on voyait qui avait participé pour être sûr. Mais demain, il devrait peut-être y avoir un petit peu de monde. Voilà, on fera ça 3 fois. Premier, la caméra. Deuxième, la batterie. Troisième, le chèque cadeau. Une fois que vous avez gagné... Je mettrai un petit commentaire, vous mettez chuchoté, vous m'envoyez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, tout ça. J'envoie à Imou, elle vous envoie le cadeau. J'envoie peut-être la batterie, j'enverrai pas tout de suite parce que comme la batterie sort que au mois de février, j'ai peur qu'après elle vous oublie, donc je garderai ça en stock. Et le bon d'achat Amazon, pareil, vous m'envoyez tout ça. J'envoie ça tout le lendemain à Imou, à la batterie et Amazon, et c'est eux qui vous envoient les cadeaux. C'est trop bien. Alors demain 16h, ok, là c'est bon. Ok, du coup, acheter Evest, ok. Mercredi à 16h, samedi à 10h et dimanche sur 2 à 16h. Mercredi à 16h, c'est bon. Samedi à 10h, c'est pas mal. Et un dimanche sur 2 à 16h, c'est pas mal. Un dimanche sur 2, si on fait pas les 100 followers, hein, là, grâce au petit raid d'aujourd'hui, ça c'est plutôt. Ouais, hein, voilà. Je l'ai trouvé, mais moi. Il est vraiment bien, ce gars. Fred, il est vraiment bien. Ouais, je sais. On a une communauté incroyable. C'est pour ça. Il faut que vous nous rejoigniez. Parce que vous êtes incroyable. Et si vous nous rejoignez, vous nous followez, vous rentrez dans la team incroyable. C'est quand même... Ouais, d'accord, ok. C'est clair, 52 en live quand même. C'est pas mal. Oui, bah c'est juste plus qu'on a fait dimanche. Notre record était à 48. Alors, je sais pas comment il était notre record aujourd'hui, mais on a fait mal au record. On a fait mal au record. C'est bon, ça. Ça fait depuis la musique que je modère chez GLG. Un très bon gars. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, ça. Oh, la pommade et tout. Bon, le problème, c'est que Shadow ne vous dit pas qu'après, il me demande une rémunération. Il me dit, hey, t'as vu, j'étais bien mis, là. Non, je déconne. La team The Incredible, c'est ça. The Team Incredible, c'est ça. Rejoins la Team Incredible et follow GLG sur Twitch. Te parler de... Et tu t'es fait raid par Manu quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça. Tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Bon. Oui, parce qu'on parlait de karma. Oui, c'est ça. Ouais. On en était au karma. Problème de karma. Manque de karma sutra. Followé par... Putain, comment il s'appelle? J'ai oublié. Manu. Je sais pas qui c'est. Shadow m'enverra ça sur Line et tout. Bon, ainsi se termine ce live. Eh, ça devait durer 1 heure. Et avec vous, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible que je tienne ma ligne. Et on devait parler des reviews, des produits à venir. J'étais obligé de bâcler ça parce qu'il y avait tellement de commentaires de gens, de plaisir et d'amour. Et d'Incredible, bien évidemment. Bon. Ça dure très connu. Bah écoute, pas assez long. Moi, c'est vrai que je n'ai plus besoin de regarder la télé. J'habite en Thaïlande. Je peux tout avoir en vrai ici. Pour 25 balles. 27. la chance de le voir en vrai. Oh ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est
incroyable. C'est la team incroyable. Il fait partie de la team. Shadow fait partie de la team incroyable, puisqu'on s'est rencontré à Lyon en vrai. Il a fait le déplacement quand même. Ce qu'il te dit pas, c'est qu'il est quand même venu de Strasbourg à Lyon pour la soirée geek. Puisqu'à chaque fois que normalement je vais en France, on fait une soirée geek. Là, le problème, c'est que c'est très très compliqué et que normalement, voilà, quand je vais en France, il y a une soirée, on fait une soirée geek, vient qui veut, qui peut. Et il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement et on a toujours passé des soirées très sympathiques, encore une fois. J'attends mon appel, c'est un acteur adulte très connu. Ok, allez, c'est l'heure de faire ton ménage. Bah, c'est ça, ouais, il faut que j'enlève toutes les odeurs de chat. Voilà. Va sur Pornhub après le live et Manu te connaît, tu connais. Bah, écoute. je dis pas que je vais faire ça tout de suite parce que là, il y a le live, j'aimerais bien le réuploader sur GLG vidéo et tout. Voilà, on a la vignette au bord. Bon, allez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'arrête de lire vos commentaires. On avait dit une heure, pas plus. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait très plaisir. On remerciera Manu encore une fois de m'avoir raid. Je crois que tu as dit comme ça, de m'avoir raid et donc du coup avoir explosé mon record de followers. Ça fait plaisir. C'est le karma. C'est le karma sutra. Bon, allez, je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. On se donne rendez-vous demain à 16h. Je vous ferai juste gagner 3 cadeaux. On dira, on remerciera les marques, encore une fois, d'avoir offert les cadeaux. N'oubliez pas d'aller sur JT Geek, regardez l'article. Pour gagner les cadeaux, il faudra follow la marque de batterie. Je sais plus, je marque comme ça. Attends. Qu'est-ce que je voulais mettre? Attends, il est où? J'ai pas mis l'article. Non, il va apparaître tout à l'heure. Je l'ai peut-être pas mis encore. Je l'ai mis sur JT Geek. Il faudra follow la marque de batterie sur Instagram ou sur Instagram ou Facebook. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Ils me disent, vous pouvez demander qu'ils nous follow et tout. Voilà. Ça leur permettra d'avoir un peu plus de followers. Je vous préparerai ça demain. On le copiera demain. Sur Twitch pour que vous puissiez les follower, ça leur fera plaisir. Ils vous offrent quand même 5 batteries, ça vaut quand même bien le coup de les follower sur Instagram et sur Facebook. Voilà, allez, je vous remercie d'être passé, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain à 16h. Ça va être fou demain à 16h, je sens. Demandez à Manu qui vienne demain, comme qu'on le voit pour de vrai, pour un peu là, moi, parce qu'il devait être en line là, je sais pas, vous verrez, vous le connaissez mieux que moi. Apparemment. Allez, merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous remercie encore une fois de passer. On a passé un très très bon moment. À demain. Bonne journée.